ولك الأرض والمجد أيها الآب والابن والروح القدس.
Yeah.
قد غرستها. Are they Israelites? So am I. Are they the race of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I, to speak as a fool, am more, in many more labors, in prisons more often, in lashes above measure, often exposed to death. From the Jews 5 times I received 40 lashes less one. 3 times I was scourged. 1 I was stoned. 3 times I suffered shipwreck. 1 night and 1 day I was adrift on the sea. In frequent travels, in perils from floods, in perils from robbers, in perils from my own nation, in perils from the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils on the sea, in perils from false brethren. In labor and hardships, in many sleepless nights, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Besides those outer things, there is my daily pressing anxiety, the care of all the churches. Who is weak? And am I not weak? Who is made to stumble? And I am not inflamed? If I must boast, I will boast of the things that concern my weakness. The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I do not lie. In Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of the Damascenes in order to arrest me, but I was lowered in a basket through a window in the wall and escaped his hands.
It is not fitting for me to boast, but I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or out of the body I do not know, God knows, was caught up in paradise and heard secret sayings that man may not repeat. Of such a man I will boast, but of myself I will glory in nothing except my weaknesses. For if I do wish to boast, I shall not be foolish, for I shall be speaking the truth. But I give up, lest any man have an idea of me beyond what he sees in me or hears from me, and lest the greatness of the revelation puffs me up. There was given to me a thorn for the flesh, a messenger of Satan to buffet me. Concerning this, I begged the Lord 3 times that it might leave me, but he said to me, my grace is enough for you, for strength is made perfect in weakness. Gladly then will I glory in my weaknesses, that the strength of Christ may dwell in me. He began to ask his disciples, saying,
Who do men say the Son of Man is? And they answered, some say John the Baptizer, and others Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you say I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Then Jesus answered and said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I say to you, you are Peter, the rock, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Avec lui, son corps tout entier qui est l'Église.
Quelles conséquences spirituelles pour votre vie ont-elles ces paroles? Vous êtes appelé à la vie avec Jésus par votre baptême. Mais l'ordination spécifie votre vocation à la sainteté dans l'Église. La protection chrétienne, les prêtres sont tenus de l'accueillir à un titre particulier. En recevant l'ordre, ils ont consacré à Dieu d'une manière nouvelle pour devenir instrument vivant du Christ, le prêtre éternel, et pour être apte à poursuivre au long du temps son œuvre admirable par laquelle il a restauré la communauté des hommes tout entière, comme dit Vatican II dans nous-mêmes bien sûr. Vous êtes appelés en servant les hommes et les femmes, vos frères et sœurs, à poursuivre la perfection de celui que vous présentez. Votre faiblesse d'homme est guérie par la sainteté de celui qui est devenu pour nous le grand prêtre saint, innocent, immaculé, mis à part des pécheurs. Que fait le prêtre? Pour le diacre, comme étape passagère que vous allez dépasser avec un certain retard. Que fait le prêtre? Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole du Dieu vivant. Il attend tout spécialement de la bouche des prêtres. Vous êtes un homme de la parole. Vous avez à annoncer la bonne nouvelle, à prendre la parole, à prêcher, à enseigner, à dialoguer, à participer à des réunions et autres choses. Mais quand vous parlez, vous êtes porte-parole de l'Église. Cependant, vous n'êtes pas un haut-parleur, mais un répétiteur. Vous devez interpréter, inventer votre parole, vos langages. Vous êtes un témoin vivant et actuel. Vous êtes sage, vous êtes chargé de transmettre, que vous n'allez pas vous trahir, j'espère bien, j'en suis sûr. C'est-à-dire que vous allez bien lire la parole de Dieu, la vérité, l'assimiler, l'interpréter. Votre parole ne sera pas démentie par votre vie. Les témoignages personnels d'une vie évangélique est indispensable pour illustrer et accompagner la parole. La foi ne se transmet pas seulement à l'intelligence. Et pour la conversion du cœur, l'exemple est souvent plus efficace que le discours. Et jamais pourtant le prêtre ne peut se présenter comme un modèle à imiter. Vous êtes l'homme de l'Eucharistie. Votre rôle de prêtre dans la célébration est d'abord de marquer le mystère de Christ et sa présence dans une communauté qui refuse de s'enfermer sur elle-même. Vous signifiez, vous unifiez, vous réalisez la présence réelle du Christ. L'Eucharistie est la source de toute vie chrétienne. Le pape Jean-Paul II a rappelé dans son encyclique Les lenteurs des hommes cet aspect essentiel de la foi eucharistique. C'est une vérité essentielle, non seulement doctrinale, mais existentielle, que l'Eucharistie construit l'Église et la construit comme une communauté authentique de peuple de Dieu. Vous êtes l'assembleur et l'animateur d'une communauté, et c'est à ce titre que vous présideriez la célébration. Unis à l'acte du Christ prêtre, vous offrirez à Dieu en redressant du corps du Christ. Vous participez à la charité de celui qui se donne en nourriture aux fidèles. Vous êtes le signe efficace de l'action du salut que le Seigneur Jésus a accompli seul dans l'humanité. Mais ce sacerdoce, ou cette première étape vers le sacerdoce reçu d'en haut, doit exercer dans une situation humaine. Le Concile rappelle à vous, à tous les prêtres, à nous, ils ont à vivre avec les autres hommes comme des frères. Au milieu de tous les baptisés, vous êtes frères parmi les frères. En vue de ce travail sacerdotal, les qualités requises sont celles qu'on apprécie à juste titre dans les relations humaines, comme la bonté, la sincérité, la force morale, la passion pour la justice,
la délicatesse et d'autres qualités, celles que l'apôtre Paul recommande quand il dit « Tout ce qu'il y a de vrai, d'honorable, tout ce qui est juste, digne d'être aimé, tout ce qui est vertueux et digne de l'ange, faisant l'objet de pensées. » Seigneur François, nous prions pour vous aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur de rendre votre cœur semblable au sien, toujours docile à entendre l'inspiration de l'Esprit, disponible au service de ses frères et sœurs. Nous partageons la joie de votre famille et heureuse d'offrir à Jésus et à son Église un fidèle serviteur. Nous partageons aussi la joie de notre diocèse, qui a aujourd'hui un fils consacré à Dieu, dévoué à son service. Je vous assure que tous, nous allons vous aider à chercher la voie du Seigneur. Nous partageons aussi la joie de vos amis qui sont ici présents pour partager votre joie et votre bonheur. Que Dieu vous bénisse tous et toutes et vous garde sous sa protection. كما أني بهذه المناسبة أرحب بالسادة الأساقفة الذين أرادوا أن يصلوا معنا وأن يطلبوا إلى الله أن يبارك برشيتنا وأن يبارك الشماس الجديد الذي يكرس حياته لخدمة الله. أشكرهم من صميم القلب وقدومهم إلينا ومرورهم بنا قبل أن ينطلقوا إلى الولايات المتحدة هو بركة ونعمة أعطانا إياها الله لكي نتمتع بمحبتهم وفرح قلبهم ومحبتهم لله وإخوتي على هذه الأرض. كما أني أشكر بهذه المناسبة حضرة الأب حبيب كويتر ومساعده الأب سليمان اللذين يعنيان بهذه يهتمان بهذه الرعية ويبذلان قلبهما ووقتهما وحياتهما في خدمتها لكي ينمو فيها المسيح وتتقدم المحبة ويسود السلام والوئام. أشكرهم جميعا وأشكر كل الآباء الذين حضروا هذه الصلاة متمنيا للجميع نعمة الله ومحبته وبركته. آمين.
us all in his kingdom at all times, now and always and forever. فرانسوا بيروتي وعائلته لكي يملأ الله قلبه بمحبته ويبارك عمله وحياته لنشر كلمة الله ومحبة المسيح بين إخوته وليذكر دوما في ملكوته السماء كل حين إن الآن وكل وهاب وإلى نقدم هذه الذبيحة الإلهية من أجل أبينا البابا يوحنا بولس الثاني وإخوتنا الأساقف الحاضرين معنا في هذه الذبيحة الإلهية ومن أجل رئيس رهبانيتنا الأرشمندريت سليم غزاء ولأجل جميع الآباء الحاضرين وجميعكم فليذكركم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر
يوم بين رئيس كهنة ميشيل وأنما كنيسك المقدس أن يكون في سلام صحيح مكرما مديد الأيام مفصلا بإحكام كلمة حقك. ولأجل خلاص أهل الشعب الحاضر ومعونتي ولأجل الخاطرين ببال كل واحد منا وجميعهم وجميعهن. مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. المتقدم لكي يبتسم شماس الإنجيلية لخدمة مذابح أبرشية المخلص في كندا، وذلك عن يد سيدنا رئيس الأساقفة ميشيل حكيم الكلي الوقار. فلنقل من أجل المرتسم ثلاث مرات: يا رب ارحم.
تقل هي تنتبه أن إيكوزياكم فرانسوا الكلي الورى في الدرجة الشماشوسية طلبتكم إذا من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح القدس الكلي قدسه. Amen.
بعدن ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى الرب نطلب for the precious gifts you're offered and consecrated let us pray to the lord on his holy altar and mystical altar in heaven as a sweet spiritual fragrance may send down upon us in return his divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا تقيا رب نسأل استجب يا رب for an angel of peace a faithful guide and guardian of our souls and bodies let us ask the Lord استجب يا رب for the forgiveness and remission of our sins and offenses let us ask And let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. To you, Lord. أبانا في السماء إلى أبد السماء
Bow your heads unto the Lord.
So.
خلص اللهم شعبك وبارك ميراثك.
understand now that we have received the divine, holy, spotless, immortal, heavenly, life-giving, awesome mysteries of Christ. Let us give worthy thanks to the Lord. Safeguard the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. In return, raise them to glory by your divine power and do not forsake us who put our hope in you. Give peace to your world, your churches, your peace to our public servants, to the government and to the armed forces, all who protect us, and to all your people. For every good gift and every perfect grace is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we send up glory and thanksgiving and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and always and forever and ever. Oh.
Francois وحدة رسول هذا هلا أبونا شمس أبونا شمس Everybody is invited downstairs for coffee and for some sweet.
صور